Les amis, aujourd'hui c'est la rentrée et je suis trop heureux parce que j'ai en prof principale Madame Esmeralda qui est super belle. Mais regardez ce qu'elle m'a dit à la fin des cours. Oupsie. Pourquoi elle a fermé la porte à clé? Je dois absolument me libérer de là. Mais avant ça, sache que j'ai caché un code Roblox dans la vidéo. Alors sois le premier à le retrouver pour gagner les Robux. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner avec la cloche. Comme ça j'en mettrai encore plus dans les prochaines vidéos. Les enfants, quelle est la capitale de la France? C'est Paris, madame, j'en suis sûr, c'est Paris. Oh, c'est pas moi. Mais ils sont sérieux, c'est pas ça du tout. Ils se sont trompés ou quoi, mes camarades? Mais pourquoi viens vers moi? Forlan, tu as tout faux. Mais non, je dis pas tout faux, madame, c'est bien Paris, la capitale de la France. Je sais parce que j'y ai déjà habité. Tu viendras me voir à la fin des cours pour réviser ta géographie. Ah d'accord, pas de problème, je viendrai vous voir, mais je comprends vraiment pas là où est mon erreur. Loser. Mais vous êtes sérieux derrière, là? C'est pas moi qui me suis tapé 0 sur 20 au dernier contrôle. Allez, je me barre. C'est quoi ces cours nuls? Heureusement que la prof est belle. Ah, c'est enfin la fin des cours. Bon, bah, je vais pouvoir voir ce que Madame Esmeralda veut de moi. Je comprends vraiment pas. Je suis toujours tourmenté par mon erreur. On est en cours de géographie. Et elle me dit que Paris, c'est pas la capitale de la France. Mais si vous êtes d'accord avec moi que c'est Paris, mettez un like. Madame, bah, je suis là, comme vous m'avez demandé à la fin du cours. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Mais pourquoi elle ferme la porte à clé? C'est pas sérieux, ça? Madame, bon, je vais rien lui dire parce que je comprends pas. Voilà, je viens pour mon erreur. Je dois t'avouer que tu es l'élève le plus beau de la classe. Mais comment ça? Comment ça je suis le plus beau de la classe? Mais me dites pas que Madame Esmeralda a flashé sur moi. Non, c'est impossible. Les amis, je me fais beaucoup trop d'idées en ce moment. Non, c'était une blague. Ah, elle était pas mal la blague. Ah, on rigole. Mais non, j'y ai cru, c'est dommage. Je donne des cours de soutien chez moi 2 fois par semaine. Des cours de soutien? Bah moi je pense que j'en ai pas besoin. Tu pourras passer chez moi si tu veux. Bah je sais pas si je vais en avoir besoin, mais si vous le dites, bah pourquoi pas en fait. Ce serait dommage que ton niveau baisse encore plus. Les amis, je crois que je vais accepter parce que ça va être l'occasion de me rattraper et de prouver à Madame Esmeralda que je suis le meilleur en géographie et comme ça elle va tomber sous mon charme. Je dois rentrer chez moi les amis, j'ai une compétition sur Roblox. Quoi? Ah oui, c'est vrai que c'est fermé à clé. Madame, j'ai pas la clé pour ouvrir. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Oups, pardon, ma main a bougé toute seule. Mais elle nous avait carrément enfermé dans la salle de classe. Mais c'est la première fois qu'elle fait ça. Oula, c'est bizarre. Mais bon, j'ai pas le temps d'y penser, je dois aller prendre mon bus parce que vraiment je dois jouer à la play. Oh mais attendez, ça serait pas Lily là qui attend le bus? Ok, finalement ça me tracasse, je vais aller lui demander c'était quoi le comportement de la prof là en salle de classe. Salut Lily, tu te souviens pas de tout à l'heure, la prof elle a posé une question sur la capitale de la France. D'ailleurs elle a elle-même pas répondu à la question hein. Bah non, elle est normale, elle a raison gros nul. Mais t'es sérieuse Lily? Mais je t'ai donné les devoirs la semaine dernière. Non mais j'y crois pas venant de toi, comment... Mais pourquoi elle me dit ça Lily? Elle est pas sérieuse, elle était toute gentille et tout quand elle est venue me demander les devoirs. Et bah c'est quoi Lily? Je te donnerai plus les devoirs à faire demain. Bouge de là, ça sent mauvais, ça... Oh là 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 là, elle me respecte pas. Les amis, je suis de retour à la maison, mais ça va vraiment pas. Encore une fois, Lily et sa bande là m'a harcelé. Franchement, bonjour papa, bonjour maman, j'espère que vous allez bien. Bon appétit, mes chéris. Bon appétit. J'ai vraiment pas faim, les amis. Il y a une belle pizza devant moi, pepperoni. Mais franchement, j'ai vraiment pas faim ce soir. J'ai pas envie de manger. Est-ce que ça va, mon fils? Oui, ça va très bien. Les cours se passent bien. J'ai des bonnes notes, des bons profs. La rentrée est top, top, maman, super. Tu as l'air bizarre aujourd'hui, Forlan. Non, je suis pas bizarre. Je suis pas bizarre. Franchement, super. Voilà. Je vais dans ma chambre, j'en peux plus, j'ai pas faim ce soir. Désolé papa, maman. Désolé, je sais pas contre vous, mais j'ai pas faim du tout, je... Mais reviens, on veut juste savoir ce qu'il se passe. Ouais, franchement, je sais même pas ce que j'ai aujourd'hui. Parce que je suis sûr que vu ce que j'ai dit à Lily, bah son copain va intervenir et il va vouloir ma peau, c'est 100% sûr. Et j'ai envie d'espionner mes parents, j'ai l'impression qu'ils parlent sur moi. Qu'est-ce qu'on lui a dit de mal? Je ne sais pas. Et voilà, je le savais. En ce moment, mes parents, ils font que de parler de moi dans le dos, j'en ai vraiment marre de ça. Parce que je sais qu'ils s'inquiètent et je les aime beaucoup. Mais je dois pas leur dire que je suis en crush sur la prof, sinon ils vont me punir. Oh les amis, j'arrive vraiment pas à dormir. Je veux vraiment entendre ce que mes parents disent parce que là ça va pas. Allez, on va voir encore une fois. Ça suffit, on lui paye tout et il arrive à s'énerver quand même. Il ne nous respecte pas. Mais ils sont sérieux de dire ça alors que j'ai 16 de moyenne à l'école? Sûrement les jeux vidéo ça. Je suis d'accord avec toi. Le gaming lui a monté à la tête. Je lui confisque sa console. Mais papa, maman, c'est pas vrai. C'est pas les jeux vidéo. C'est pas ça qui me rend triste comme ça. C'est autre chose. Allez, je vais me coucher sans manger. J'en ai marre, c'en est trop. Pouah, les amis, j'arrive pas à dormir. Je crois que je vais quitter la maison. Là, c'est trop, j'arrive plus à rien. Allez, je pars, papa et maman, au revoir, je vais dormir dehors. Voilà. Bon, deuxième jour d'école, les amis, on va essayer de garder le sourire. Mais avant ça, je dois passer aux toilettes, là, parce que je n'y suis pas allé du tout hier. En plus, j'ai super mal dormi. Allez, c'est parti. Oh, ça fait du bien, franchement, j'en pouvais plus. J'avais envie en allant sur le chemin de l'école, là. C'était horrible. Quoi? Mais c'est qui, là? Ouh, c'est trop beau. Non, Madame Esmeralda, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est les toilettes des garçons. Ne venez pas là. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, elle est partie. Elle est partie sans rien dire. Elle a rien dit du tout. Madame Esmeralda, vous êtes là? Êtes-vous là, Madame Esmeralda? Eh oh, eh oh. Je vous vois pas, madame. Mais pourquoi vous êtes venue? Mais tu es malade de crier comme ça, toi? Ah, salut, Brandon. Mais je crie pas, hein, t'inquiète pas. J'avais
j'avais juste besoin d'aide, je voulais voir si la prof était là, etc. Nullard. Par contre, tu me dis le nullard, mais c'est toi qui as fini dernier de la classe au dernier trimestre, hein. Ne parle pas comme ça si tu veux pas un coup. Oh, d'accord, d'accord, bon, je vais aller manger, hein, on va fuir le conflit, là, j'ai pas envie de me battre avec Brandon. En plus, les amis, j'ai hyper faim, j'ai pas mangé hier soir. Oh bah super, je suis le premier à la cafétéria. Oh bah y'a quoi, y'a des Doritos, pizza, bon, je vais prendre ça, ça ira. Ah, mais t'es sérieux, Brandon? Mais pourquoi t'as fait tomber mon plateau? Mais tu... Mais reprends-moi ma bouffe, je l'ai payé. Ça t'apprendra à me parler comme ça. Non mais c'est trop, pourquoi il me fait ce coup-là? Oh, y'a la prof qui arrive, j'espère qu'elle va me sauver. Espèce de nul. Pourquoi tu dis ça devant la prof? Pourquoi tu me dis le nul? Ah, tu t'enfuis maintenant, hein? Brandon, regarde ce que t'as fait. Qui a fait tomber ça? C'est Brandon, madame. C'est Brandon qui a fait tomber ça. Il a fait tomber mon plateau. Je voulais manger tranquillement et il m'a fait tomber mon plateau comme ça. Il est arrivé, il l'a balancé par terre. Mais non, il l'a fait tomber tout seul, madame. Ah non, je l'ai pas fait tomber tout seul, madame. C'est faux, c'est Brandon. Regardez son air un petit peu innocent là. C'est pas vrai du tout. Il a mis un gros coup tout à l'heure dedans. C'est moi, ta nouvelle directrice, et tu vas être virée. Tiens, bien fait, Brandon. Tu vois, répare tes erreurs. Non, s'il vous plaît, madame. Par d'ici, la racaille. Regardez comment il s'enfuit. Heureusement que la professeure était là. Merci beaucoup, madame Esmeralda, pour avoir puni Brandon, parce que ça fait depuis le début de l'année qu'il arrête pas de me harceler avec sa bande de copains. Mais enfin bref, je sais pas comment je vais faire pour manger aujourd'hui. J'ai tellement faim, madame. De rien, mon cœur. Je vais t'aider à ramasser. Oh, comment ça, madame? Je vous remercie. Mais quoi? Pourquoi elle m'appelle comme ça? Oh, mais c'est gentil de sa part, hein. Merci beaucoup, madame. Franchement, il y a plus rien par terre. On se donne rendez-vous à la réunion parents, prof. D'accord, bah je vais aller manger et je vous rejoins après. Merci en tout cas, madame. Je vous adore en prof et je suis vraiment très content de vous avoir en prof principal cette année. Et je sais que grâce à vous, madame Esmeralda, j'aurai de super notes et je vais réussir mon année puisque vous êtes la meilleure des profs. Je t'aime. A tout à l'heure, madame. Bon, les amis, je dois vous avouer que je stresse un peu pour la réunion paro-prof, mais je vais aller chercher mon père et j'espère qu'il dira rien de déplacé devant la prof, sinon je vais me taper la honte. Ah, c'est bon, elle est partie dans son bureau. Ok, je peux aller. Papa, viens là, il y a la réunion paro-prof, tu sais, que je t'avais expliqué. Salut mon fils, j'espère que ta professeure ne dira rien sur toi. Bah, j'espère aussi, mais normalement ça devrait aller, j'ai une bonne moyenne, tu sais, et tout. Sinon, on te rend plus tes jeux vidéo. Ok, papa, je sais, j'ai trop envie de jouer ce soir en plus, mais tu vas voir, je vais pas te décevoir. Je te le promets, papa. Bon, c'est là, c'est dans cette salle, c'est la salle de la directrice. Voilà mon papa, madame Esmeralda, je vous le présente. Bonjour, madame, dites-moi tout. Voilà, j'ai peur, je stresse vraiment, j'aime pas ça les réunions parents-prof. Votre fils est... Quoi, je suis quoi? Il a encore fait des bêtises et a de mauvaises notes. Ah non, je t'assure, papa, j'ai pas fait de bêtises, je t'assure, j'ai rien fait du tout. Il y avait des harceleurs à l'école, non, j'y suis pour rien, j'ai pas fait tomber de plateau ni rien. Non, il est très talentueux et est le premier de la classe. Oh yes, madame Esmeralda me sauve. Oh, elle est incroyable cette prof, je savais que je pouvais lui faire confiance. Ah bon, sérieusement? Félicitations, mon fils. Merci, papa, bah merci. En tout cas, je travaille pour toi, pour la famille, et je vais ramener de super notes. Je te rends tes jeux vidéo, tu peux jouer toute la journée. Yes, merci, papa, pour les jeux vidéo. Yes, je vais aller faire mes compétitions Roblox. C'est incroyable, les amis, j'ai récupéré la Play. A plus, je reviens te chercher. A plus, papa, bah j'arrive tout de suite parce que je vais chercher des affaires dans mon casier. Attends un peu, j'ai à te parler en privé. Oui, madame. D'accord, y a pas de souci, je reste. Je vais m'asseoir là, ici. Que souhaitez-vous me dire, madame? En tout cas, je vous remercie de m'avoir défendu tout à l'heure, c'est super. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi vous fermez la clé, madame? Voilà, on sera tranquille, personne ne nous dérangera. On sera tranquille? Comment ça? Mais comment ça? Mais madame, ne fermez pas la clé votre bureau, je peux pas sortir après, mon père m'attend. Pourquoi vous approchez comme ça de moi? Mais madame, arrêtez, je suis qu'un élève, arrêtez de faire ça. Ah! Mais qu'est-ce que vous me faites comme ça? Mais vous êtes sérieuse? Mais si ça se sait dans l'école, mais je vais me faire harceler, vous allez perdre votre boulot! Reste avec moi toute la vie, mon Forlan! Quoi? Mais j'aimerais bien, mais c'est pas possible! Ouvrez-moi! Je veux sortir de la salle! Ah! Elle a une hache dans la main, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non! Non, madame! Ah! Elle tape avec sa hache! Non, madame, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une viande d'errée! Qu'est-ce que c'est que ça? Papa! Viens vite me chercher! Viens vite! Je viens pas à la voiture, c'est normal! Viens vite, à l'aide, aide-moi! C'est fermé! Il se passe quoi ici? La prof est devenue complètement folle! Aide-moi ou appelle la police. Ramène la police s'il te plaît, elle a une hache dans la main. Je crois que je vais souffrir, je vais passer un mauvais quart d'heure. Laissez-le, j'appelle la police. Merci papa, appelle la police direct. Il est à moi pour toute la vie.